N'hésitez pas à mettre notre code créateur The Thinking dans la boutique. Et bonne vidéo à vous! Yo tout le monde, ici Apollon, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo casier promis. La première, c'était sur Bien-Aimé. La deuxième, c'était sur Freezer. Et comme convenu, la dernière, ça va être sur celui-là, Apollon King. Du coup, je vous dis, bah allons-y, ne perdons pas de temps. Alors, on commence directement par les skins verts. Bon, vous allez voir, ça ira beaucoup plus vite parce que comparé aux deux autres vidéos, j'ai beaucoup moins de skins sur celui-là. Du coup, on commence avec la trombe. C'est un peu la skin chauffarde mais en bleu. On a la Renegade. Alors du coup j'ai beaucoup. Je peux prendre un peu plus de temps opportun avec la variante. C'est un beau skin. C'est le masculin de Vénard. Du coup là on a l'exploratrice. La défenseuse skin de note que j'ai déjà. Que vous avez vu sur les autres vidéos. Avec plusieurs tenues. Ensuite, du coup, bah, un autre skin de Noël. Là, on a Mécano. Ici, skin de passe de combat panacée. Ici, le patrouilleur précis. Skin gratuit pyjama mout. Ruby. Skin offert par un abonné. Dédicace à toi, c'est Simon. Merci à toi, comme plusieurs autres skins. Le skin Trognon Grognon, ça qu'on a pu gagner récemment dans un tournoi, fallait faire juste 10 points. Là, on a le Marin vs Ressac, skin de passe de combat. On a elle, pack à 5 € c'est Lagune, très jolie. À côté Iris, un autre pack à 5 €. En fait, on a 3 packs à 5 € qui se suivent. À côté, on a Flavia, excusez-moi, avec une custom normalement, ouais, en noir qui est jolie. Ah, j'ai oublié sur Iris, on a une custom aussi sans sa capuche. À côté, on a Apogée, beau skin de passe de combat. On a Agent Double. Alors là on commence ces skins épiques du coup. On a du coup Sonia Sky avec ses custom comme bah elle, bon il y a une Doré aussi mais bon je l'ai pas pu la débloquer. Tisson, Tentina, je vais un peu plus vite là, c'est bon ces skins de passe de combat, alors je pense que vous les connaissez. Vipère, il y a Méandre, Occulpe. Océane, Agent Banane, Newsclé, le Sapin. Bon, alors du coup, là je passe assez vite. Je vous dis vite fait les noms. Mais ouais, Brutus, Caméus. Ah, elle par contre, je l'aime bien. En plus, elle a plusieurs variantes. Elle comme ça, mais bon, ma variante préférée, ça reste quand même celle-là en jaune. Alors à côté Cobalt, Vendeuse de cœur, joli skin. Alors ça c'est le Johnny c'est plongeur. Julie, ça c'est un skin de base de combat que j'aime bien. Banane, The Skin Banane, comparé au Poiscaille. Pour toi Poiscaille justement, Thor, bon ça c'est le skin un peu plus récent Marvel. Psylocke. Je l'aime bien, bah c'est elle que. C'est avec ce skin là que je travaillais de la reine. Voilà, petite info pour ceux qui veulent. Jennifer, mon passe de combat aussi. Harley Quinn, qu'on retrouve ici aussi. Aquaman. Iris Hybride. Maya, Midas. C'est que des skins de passe de combat là normalement. Ruine. Sorana. Transit. Fusion. Cœur noir. Chevaleresse éternelle. Deadpool.
Du coup, les gars, maintenant, on se retrouve directement pour les pioches. Salut à toi, Stevie. Petite dédicace, du coup. Tu passeras dans la vidéo. Du coup, on fait les pioches. Il y a Surin. La Surin, c'est une pioche normalement gratuite qu'on a eue. Là, ça, c'est une pioche pour l'anniversaire de Fortnite. Il y a le deuxième anniversaire, du coup, s'il y a deux bouches. Du coup, ça, c'est la pioche qui va avec Ruin. Celle avec Tentina. Océane. Celle-là pour les petits biscuits. Je l'aime bien, franchement, une pioche gratuite qui est plutôt cool. Là, ça, c'est la pioche de Ruby. Alors, voilà, j'ai beaucoup de places de combat, comme moi. Si y en a. Ah, ça, c'est pour le barbecue, quoi. Mais malheureusement, l'été c'est fini, c'est plus le moment de manger de barbecue, les gars. Alors, Serreuse, Sceptre doré, Reine dorée. Voilà, j'ai pas beaucoup de pioches achetées, c'est beaucoup soit des gratuites ou des passes de combat. Alors, voilà. Comme je vous dis, bon, je dis pas tous les noms forcément, je vous parle juste, je vous parle en tout cas. J'espère que vous passez une bonne journée quand vous verrez cette vidéo. En tout cas, je vous fais rappeler, mais n'hésitez pas à mettre notre code créateur dans la boutique Fortnite The Team King. Merci à tous ceux qui le feront. Là, c'est la pioche de la fondeuse de cœur, Dague de Cupidon. C'est une belle pioche, franchement. Bon, gratuite, on va passer un peu. Oh, la pioche Marshmallow. Plutôt cool, c'est une pioche gratuite, elle est plutôt stylée. Alors, bon, ça, c'est passe de combat de la saison dernière. Je l'aime bien, en plus, elle va bien avec un skin Galaxy. Là, bon, c'est celle du robot Miaouss. Marteau. Le marteau de Thar. En fait, je crois même pas que j'en ai acheté vraiment des pioches sur ce compte-là. Je n'ai une, celle de Ruby qu'on m'a offerte ou que j'ai acheté, je sais plus. Non, moi je l'ai offert. Bon bref, c'est pas le moment. Bon, je passe un peu plus vite. Bah tiens, justement, les écraseuses de Hulk, elles par contre je ne les ai pas achetées, mais je les ai débloquées grâce à la bêta Avengers. Ils sont bien, mais bon, par contre c'est vrai que dans la boutique 1200 pour ça, c'est vrai que je les aurais pas achetés sinon. Le trident d'Aquaman, la batte d'Harley, la batte, si la batte de Harley, la masse d'Harley et elle. Maintenant, on se retrouve pour la dernière catégorie que je dois vous montrer, ce sont les planeurs. Du coup, bon, ça c'est le planeur de base. Le premier planeur quand on fait notre première victoire royale dans le jeu, bon voilà, c'est pareil, j'ai vite fait les passer. Bon, ça c'était contre le roi de la tempête, le pass de combat Marvel de cette saison. Les autres, je pense que vous les connaissez aussi. Du coup, là on passe directement au strict céleste planeur de Ruby. Enfin, j'ai tout son ensemble à Ruby. Pétarade. Moi, beaucoup de planeurs de passe de combat, je suis même pas sûr que j'en ai acheté un seul. Ah non, c'est de toi, Freezer. Plusieurs dédicaces à plusieurs de bon, à plusieurs personnes dans cette vidéo. Du coup, celui-ci c'est un planeur qu'on a eu gratuitement grâce avec le PS Plus. Alors, on défile un peu les planeurs. Ça, c'est un planeur par exemple qu'on a eu gratuitement. Pareil, ça qui vient de Batman. Passe de combat, j'ai pas acheté beaucoup de planeurs. Ça c'est pareil, c'est un planeur qu'on a eu gratuit. Ah non, du passe de combat, je confonds avec une autre. Ah si, j'en vois un que j'ai acheté aussi quand même. Du coup, bon, on va directement sur Celestia. Le planeur qui va avec le skin Galaxy Fille, qui est grave stylé. On a Cœur Volant, c'est le planeur qu'on devait offrir à quelqu'un pour la Saint-Valentin. Allure, ça c'est bon. Voilà, Nouvel An. Donc voilà, le parapluie custom. Voilà, si des fois vous voulez voir, moi je l'ai fait comme ça, mon parapluie custom. Ceux-là, c'est ceux de Star Wars qu'on a eu en participant à l'événement.
Après, c'est à peu près tout. Voilà, après ça, c'est ceux de passe de combat. Ce Travis Scott, passe de combat et passe de combat. Du coup, les gars, comme je pense que la vidéo va être assez courte, je vous montre quand même vite fait mes camouflages. On va y passer très vite. Je vais vous montrer vraiment ce que j'ai acheté. Parce que là, par contre, des camouflages, j'en ai acheté un peu plus. Du coup, bon, là, c'est un gratuit. On va pas trop s'y attarder. Ça, c'est les camouflages plastique rouge, vert et gris des petits soldats. C'est pour, je crois, 600 V-Bucks. Et vous avez les trois d'un coup. Du coup, après là, c'est Croix Sauvage qui va avec. Je sais plus quel skin. Je me souviens pas franchement de tout. Alors, celui-là aussi, Chaud-Froid. Je trouve plutôt stylé, un peu la nuance comme ça. Il est vraiment plutôt bien. Là, non. Alors, attendez. Du coup, je regarde un peu. Bon, comme ça, en même temps, je vous décris pas tout. Ah, bah, lui, par exemple, qui vient d'un. Le pack, un pack 5 € il y a un petit moment. Je vous décris pas tout, mais bon, voilà. Je vous montre vraiment que ce que j'ai acheté. Celui-là, du coup, aussi, qu'on m'a offert, même. Lui, bon, on l'a eu gratuitement. Lui, du coup, fond étoilé, je l'ai eu grâce. Alors, lui, je l'ai pas acheté, mais je l'ai gagné en faisant le tournoi téléphone. Ceux qui avaient les Samsung Galaxy. Si on faisait minimum 5 points, on l'avait, donc j'ai réussi à le débloquer. Et du coup, alors il y a celui-là aussi que j'ai, il est plutôt beau. Lui, les feuilles mortes, bah c'était pour pendant pas un événement, mais si un peu, mais pas pareil. C'était toute la communauté qui fallait le débloquer, bah je pense que la plupart s'en souviennent justement. Du coup là, comme ça, la torte. Du coup non, voilà, c'est tout pour les camouflages. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce, c'était... N'hésitez pas à aller nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Insta. Allez aussi nous suivre du coup sur Twitch. On a lancé notre chaîne Twitch. Si vous voulez parler avec nous facilement, rejoignez aussi notre Discord. De toute façon, tous les liens sont en description. Sur ce, du coup, c'était Apollon King. À plus tout le monde!